je dois parler au nom du village de Kassigué, en tant que chef du village. La famille Lambo Kassigué, nous sommes là Kassigué au Chine. Le village, le chef du village a fait appel au prophète. Au Chine, là, au Fakba, au Nuna. Parce que. Le village que je dirige a un souci. Oh non, mais quel nom? Donne-moi. Quel est le souci? En tant que chef de village, je veux que mon village aussi soit un village de renommée. Je veux que mon village soit dans le train de développement. Voilà que nous sommes en marge du développement. Alors, je ne peux pas comprendre. En tant qu'individu, mais comme il y a des religieux, des gens que Dieu a mis à notre service pour lire les problèmes, alors j'ai fait appel au prophète pour qu'il puisse venir à Kassigué et dire quel est le mot, le mal, les mots que Kassigué souffre. Non, mon ami qui vit, Mamoun, Awaouna, mon ami, au fond, on ne va pas, non, tel est non, au fond, tel est non, 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 pour qu'il puisse nous délivrer de ces mots et nous propulser au développement. Donc voilà en résumé le souci qui a fait qui nous a amené à faire appel au prophète. Et le Seigneur vous bénisse. Au fond, on est ici. Nous allons les transmettre au Seigneur. Dieu va me voir. Nous allons lui transmettre ce que nous ressentons. Ce que nous avons ressenti, ce que nous avons vécu. Quand on reçoit une étranger, et qu'il est content, c'est l'étranger qui envoie un nom. Et je pense qu'on amènera vos bons noms devant Dieu. Non, il est chien. Et va bannir les gens. Il faut être beau. Allez, il faut bannir les ici. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Il faut ici. Le village de Kassigué. Kassigué, oh non. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut bannir ici. Je vous dis une chose. Dans la vie, vous devez retenir quelque chose. Et il doit pas chier. Vous allez voir toujours les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. C'est ça la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a le royaume de Satan et puis il y a le royaume de Dieu. En temps normal, qu'on ne connaît pas quelqu'un, on ne les critique pas. Selon la Bible, il ne faut pas juger un homme. Amen. Amen. Voilà, parce que tu ne connais pas. Même si tu le connaissais, il ne faut pas le juger. Je suis dans ce village en qualité de serviteur de l'Éternel. C'est en qualité de serviteur de l'Éternel que je suis dans ce village. Amen. Un serviteur, ce n'est pas qu'il veut être serviteur. Il est serviteur parce qu'il a été appelé de Dieu. Je suis né musulman dans une religion musulmane. Ma maman est peul malienne. Mon père est bété de Gaïwa. Je n'ai jamais aimé Jésus. Je l'ai aimé tout récemment. Je l'ai accepté tout récemment. Je ne le connaissais pas. Pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Donc je ne connaissais pas Jésus pour l'aimer. Moi je croyais déjà au ciel. Je croyais au paradis, je croyais à l'enfer. Ce sont mes difficultés qui m'ont fait rencontrer Jésus. Sinon j'ai entendu parler de lui. Et c'est mon chien Jésus. Mais je ne le connaissais pas. Et c'est maman.
Pour moi, Jésus, c'est une histoire. Il a existé et c'est passé, c'est fini. On ne devient pas serviteur qui veut. On devient serviteur de Dieu parce qu'on a été appelé par Dieu. Vous savez une chose? Votre vie dépend de l'accueil que vous allez apporter un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. Et l'amour. Dieu, on ne le voit pas. On ne peut même pas voir Dieu. Mais Dieu travaille avec les gens. Et c'est pas à partir des gens que Dieu travaille. On n'a jamais vu Dieu. Mais il a ses messagers. C'est cela qu'on ne sait jamais quand Dieu peut nous visiter. Non, Dieu ne peut pas donner un rendez-vous. Si Dieu descend, on va tout suivre. Mais comme Dieu, il s'adapte au système humain. Alors il va utiliser les humains pour parler aux humains. Sinon, si un arbre vous parle, vous allez fuir. Si Dieu parle depuis le ciel, on va fuir. Donc Dieu, il parle au travers des hommes qu'on appelle serviteurs de Dieu. Donc ça ne dépend pas de toi. C'est pas à toi de dire qui est serviteur ou pas. C'est une erreur grave de dire lui n'est pas serviteur. On juge au travers des fruits. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui parle de Dieu. Un serviteur du diable, c'est celui qui parle du diable. C'est au travers du message qu'on essaie d'identifier qui est de Dieu ou pas. Mais on ne prend pas une position. Parce qu'on ne sait jamais qui est de Dieu et qui n'est pas. Donc on écoute. Amen. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes venus vous aider. Mais justement pour prier pour vous. Vous avez quelle solution? Vous pouvez quoi faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Un être humain ne peut rien faire. Il n'a besoin que d'un secours de Dieu. Dieu, il ne viendra pas, comme je dis, vous regarder. Mais il passera à travers ses serviteurs. C'est cela qu'il faut avoir le discernement. Je suis venu vous aider. Voilà, je suis venu prier pour vous. Amen. Alléluia. Si vous voulez voir un développement dans le village, il faut que vous priez. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes venus prier pour que le grand Dieu, le Dieu de développement, bénisse ce village. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, c'est un sorcier. Chacun d'entre nous a une année sur quelque chose que le village n'avance pas. J'ai écouté le chef parler. On n'avance pas. Pour que le sorcier agisse dans un village, pour que les sorciers agissent, c'est qu'il y a quelque chose qui leur donne raison de rien. D'abord, la première chose, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Là, au fond, là, donc, ça permet au diable de travailler. Là où il n'y a pas Dieu, là, le diable travaille pleinement. Encore. Amen. Le fait même d'adorer les idoles, d'adorer les choses, c'est alors, dangereux. Alors, souffert, ça éloigne Dieu d'une population. Et là, au fond, quand il me dit. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Nous allons prier pour que la main de Dieu continue d'agir dans ce village. Je sais comment la sorcellerie est pratiquée. J'ai toutes les informations. C'est mon travail. C'est mon travail d'avoir les informations. Je vois des têtes ici qui sont sorcières. Il n'y a pas là ici. Beaucoup de choses vont se régler aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup de choses se régleront aujourd'hui. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il suffit seulement d'orienter les choses. Et nous savons bien le faire. Et moi là. Depuis un moment, nous avons prié. Je prie pour le village. Il y a beaucoup pour le village. Et j'ai eu l'information de Dieu de beaucoup de choses concernant le village. Un homme de Dieu, il vient poser une action. Amen. C'est ce qu'on va faire. Alléluia. Amen. Et Dieu bénira le village. Amen. Je suis venu là. Ma?
après mon départ. Mayim. Un mois, deux mois. Mayim, ben voilà. Faites un bilan. Et là, parce que j'ai vu des choses qui vont se réaliser. Mahangenomanade. C'est ça un prophète. La faire frère au pauvre Mayim. Après le calvaire, là pour vous trouver là, cette nuit, toute la sorcellerie du village, ils sont allés mettre ça dedans. Et les gens avaient piégé là pour me tuer. C'est pour ça que le Seigneur a tout bloqué. C'est que je suis là. La croisade a été très combattue par les féticheurs, par les mystiques, par la sorcellerie. Parce qu'ils savent qui venait dans ce village. Moi j'ai vu le combat, la dimension du combat. Quand j'ai vu, on dit il n'y a pas courant. J'ai dit j'ai un message. Je ne peux pas venir prêcher Jésus qui est lumière dans les ténèbres. C'est qu'il y a un message que Dieu veut m'apporter. Dieu est lumière. Je viens le prêcher. Et puis il y a des ténèbres. Il y a un message que Dieu veut m'apporter. Alléluia. Dieu. Que Dieu me montre. Alléluia. Amen. Et Dieu, on t'attendait pour t'humilier. On dit, le lui qui vous avait envoyé là, on a fini elle. On a fini elle. Mais c'est moi qui ai fini avec vous. Quand tu es moins quelqu'un, tu lui dis que tu es moins. Tu ne te caches pas ça. Alors, pas croire. Fais ce que tu fais. Si un enfant vient devant toi, il te frappe. Tu n'as pas dit en fait pas là. Alors, il y a des gens qui un enfant de 4 ans devant toi, un homme de 30 ans. Tu as parlé de palabres, tu dis que tu es frappé. Regarde-moi, mal. Ah, mais. C'est bien, toi, où? Mais, je vais vous mater. Ça, je dis. La sorcellerie va mater ça dans le village. Les gens m'attendaient au carrefour là pour me tuer. J'ai appelé, on dit ah non, le courant est coupé. J'ai dit mais je n'ai pas prêché Jésus qui est la lumière dans les ténèbres. Pourquoi je viens prêcher la lumière et il n'y a pas la lumière? Je dis reste tranquille, c'est un message. Donc, calmez-vous. Ils ont manigancé des choses. Là, il a plu tout ça. C'est une manifestation de la puissance de Dieu pour neutraliser leur pouvoir. C'est un conflit, un combat entre le ciel et le royaume des mystiques. Il y a eu la victoire, je suis rentré. On va battre l'arbre avant que je quitte. Va chercher un sieur. Plio, plio, plio. Jésus est plio. Plio, plio, plio. Jésus est plio. Élevé, élevé. Comme un militaire, un maréchal, suivez-moi. Suivez-moi seulement. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Élevé, élevé. L'éternel Dieu des armées, prenez le règne de ce village. Amen. Et la porte d'entrée. Toute porte importante, là qu'on appelle la porte, c'est pour ça que la Bible dit dans le psaume, porte, ouvre-toi et lève tel un tour, car le Seigneur arrive. La porte d'entrée est importante.
tout part d'ici. Tout peut se bloquer là. De toute façon, il y a la porte physique, il y a aussi la porte spirituelle. Donc spirituellement, si la porte est bloquée, est minée, rien ne pourra rentrer comme projet. Amen. Amen. Le projet ne pourra rentrer. Vous sortez, mais vous venez avec rien. Vous avez les bonnes choses, mais là, ça se stoppe. Mais il y a une grande manifestation du pouvoir de la sorcellerie dans ce village. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que le pouvoir de la sorcellerie, n'est-ce pas? Ils pensaient qu'on n'allait pas les voir. Ils pensaient qu'on n'allait pas les voir. Faut dire, c'est Dieu qui a créé les yeux. Dis à quelqu'un. Dieu qui a créé les yeux. Mais pas faut dire à quelqu'un, c'est Dieu qui a créé les yeux. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui a créé les yeux. Alléluia. Amen. Ils sont allés cachés, on a vu. Amen. Vous pensez qu'on n'allait pas voir. Le Seigneur m'a montré. Les pièges, vous avez tendus, on a vu. Celui qui dit les sorciers dans la foule, qui est fort, qui lève le doigt. C'est maintenant, on voit garçon. Vous, la nuit, vous levez pour aller manger les gens. Orteil, agouti, la nuit, sorcellerie. Celui qui dit est sorcier dans ce village, il n'a qu'à venir ici pour dire, je suis sorcier. Je vous donne 20 minutes. Parce que si on commence, c'est vous qui allez mourir. C'est qu'on a commencé, la mort ira dans votre camp. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Même, ou bien, amen. Celui qui pêche, il va mourir. Amen. La Bible dit que l'âme qui pêche, elle qui mourra. Même l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. On va couper ça avant qu'il ne te vilaine. Amen. 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 C'est une question de dire non. On va écorcher ça, on va couper. Amen. Ça doit tomber, on va crier, qu'on s'en va. Amen. Nous, on vient de terminer notre travail. Mais la sorcellerie, vous êtes mal barrés. Amen. Les sorciers dans votre camp. Maintenant, la peur sera dans votre camp. Amen. La mort sera dans votre camp. Amen. La malédiction sera dans votre camp. Amen. Acclamez le Seigneur.
J'allais à l'école quand quelqu'un me poursuivait. La personne avait un masque, une machette bien aiguisée. Ils sont comme ça, je pleurais, je courais de tout par les salles parti. Je suis arrivée devant un arbre. Et c'est comme ça que le monsieur était tellement menaçant, il voulait me découper. Puis j'ai vu l'arbre s'ouvrir. Quand l'arbre s'ouvrait, il y avait une fumée. Je dis, quand la porte de l'arbre s'ouvrait, il y avait une fumée. Quand je suis entrée, je me suis arrêtée. J'ai vu une termitière à l'intérieur de l'arbre. Et dans cette termitière, il y avait des gens qui étaient enfermés. Et c'est comme ça la porte s'est refermée. J'ai dit, Seigneur, il m'a dit, je pleurais pour Jésus. Aujourd'hui, la famille va le prendre à ce là. Et que ce table-là soit abattu avec une termitière à l'intérieur. Tu es merveilleux. Même, il nous a délivrés. Le fait que les gens acceptaient, que ce soit deux ou trois personnes, on a eu plusieurs personnes accepter Jésus-Christ, la chefferie et sa brutalité, accepter Jésus-Christ. Donc c'était tout à fait normal que le Seigneur se mette à libérer le village. Quand vous n'acceptez pas le Seigneur ne s'occupe pas de vos difficultés. Donc moi, c'est ça un peu, c'est une grande victoire de dépeuper le royaume de Satan et, n'est-ce pas, de mettre les yeux du diable à nu et libérer les captifs. Donc je pense qu'après cette action prophétique, d'abord révélée parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en même temps, la gloire de Dieu se manifestera dans ce village. Dans la qui a été abattue tout à l'heure, nous avons retrouvé, ouais. Assez étrange, une explication. Non, je savais déjà parce que déjà depuis cette nuit, Dieu m'avait déjà montré que c'est un endroit où, parce que la sorcellerie a toujours un endroit, les hôtels sataniques, donc ils ont déjà mis quelque chose. Dans certains chemins, ils ont mis les choses dans leur arsenal de sorcellerie. Je l'ai même donné comme révélation que tout ce qu'ils ont fait comme sorcellerie sont venus, n'est-ce pas, mettre ça dans l'arbre. Maintenant, en même temps, il fallait détruire. Voilà ce qui leur sert, n'est-ce pas, de maison mystique. Il fallait détruire. C'est ça. L'œuvre du prophète, c'est un voyant. Voilà. Et nous, notre spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. C'est pas la première fois, nous faisons ça partout. D'autres, c'est dans les termitières, d'autres, c'est dans les tombes. D'autres, c'est dans les maisons où il y a les cardinaux mystiques. D'autres, n'est-ce pas, c'est dans les poteaux. C'est dans beaucoup. Nous ne sommes pas la première fois de voir. C'est notre première fois. Mon ministère, c'est aller affronter le... D'abord, aller dans les villages. Parce que c'est très, très important d'aller évangéliser dans les villages. Permettre aux villageois, nos parents, qui n'ont pas facilement accès au Seigneur, aient accès au Seigneur. Parce que nous qui évangélisons en Europe, nous qui évangélisons en New York, nous pouvons aussi voyager dans un village. Il faut évangéliser parce que Jésus-Christ, c'est affaire de tout le monde. Ça fait de celui qui est au village, ça fait de la ville et ça fait de celui qui est au village. Nous sommes là pour aider une population qui souffre en détresse, pour les ramener à Jésus-Christ et en même temps permettre à Dieu de faire entrer le développement. Et qu'on dit, ça met en détruit les œuvres de Dieu. Shalom. On a très bientôt pour les témoignages. S'il vous plaît. Nous avons trouvé une machette avec un miroir. Vous comprenez déjà le miroir mystique, ça veut dire ça appartient à une caméra, la machette, c'est ce qu'on prend pour égorger les gens. Vous avez déjà tout compris. Merci beaucoup.